Salut à tous, c'est Aquasis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur la map Pokécube. Alors vous voyez, là j'ai pas bougé depuis que j'ai arrêté la dernière fois. Parce qu'on était là, c'était, il faisait noir et tout, bah là aussi il fait toujours aussi noir, et voilà. Donc on continue donc pour ce qui est de notre petite... oui, notre, donc c'était le... Oui, le défi de capturer tous les Pokémon, c'est ça. Donc on va continuer. Alors, bon, pendant qu'on continue, j'en profite pour annoncer deux trois petits trucs. La première, c'est une... Donc c'est... Misetsu et moi avons eu une idée relativement... Qu'est-ce qu'il fait en bas ça? Oh le perf. Ah, un petit Galekid. Voyons voir. Oh oui, là, ça a encore bugué. Maintenant j'ai encore les noms des Pokémon en anglais. Moi j'en connais la plupart mais... C'est pas très pratique. Donc Misetsu et moi avons eu une idée de série qui va être relativement très différente de ce que je fais d'habitude. On y réfléchit encore mais la série pourrait... peut-être vous plaire. Alors je n'en dis pas plus, c'est une petite surprise. Nous sommes en train de vous préparer. Je ne sais pas si on va mener la série à bout. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Bah, pour l'instant, ça reste à l'état de projet. État de projet. Aussi j'en profite pour dire que apparemment donc Maxi Greg qui s'occupait donc du mode Bokeh Badge, qui est donc celui qui me permettait d'avoir les badges, que vous avez pu le voir au tout début, est incompatible avec 600 plus Pokémon, le mode qui me permet d'avoir beaucoup plus de Pokémon. Il m'est donc difficile désormais de faire donc ce défi, qui est malheureusement donc annulé, hein, étant donné que les deux modes sont incompatibles. Maxi Greg ayant quand même fait un super boulot avec les sons que je n'ai jamais pu installer, qui marchent, je n'ai jamais réussi à faire marcher. Ouais, je suis tellement cruche. Et oh ben voilà, c'était ça la plaine dont je vous avais parlé avec les villages là-bas. On va aller les voir, tiens, comme ça au moins ça fait un peu de balade. Puis s'il y a des Pokémon dans les plaines qu'on n'a pas capturé, Onyx, il me semble que je l'ai, non? Aggron, Onyx, oui. Yeah. Et donc oh, les Bodrive, je n'en avais pas encore. Je sais pas son nom en anglais par contre à Bodrive. Yeah. Oh oh. Poup poup. Allez. Allez. Oui. Drifloon. D'accord. C'est un nom original. Donc j'en profite pour dire aussi que donc étant donné que le défi est annulé, la série aura donc une finalité lorsque ce défi sera achevé. Je sais. C'est l'une des séries préférées de la chaîne. Mais. Je dis bien mais. J'ai quelque chose en réserve. Car comme vous le savez, de base, j'avais dit que Pokécube était une série fun. Et au même titre que le reste, ce sont des séries courtes, qui doivent pas rester longtemps. Et il me semble qu'il y a une autre série qui a été relativement populaire, qui mériterait aussi qu'on s'y attarde un petit peu, qu'on revienne un peu dessus. Je garde les détails pour la suite, mais je pense que Pokécube ne vous manquera peut-être pas tant que ça. Mais bon, d'ici là on a le temps, hein, le temps que je trouve tous les Pokémon, il y en a apparemment pas mal. Ah oui, il faut se mettre en grosse difficulté. Voilà, pour avoir tous les Pokémon qu'on veut. Ah, une hirondelle. Merde. Raté. Je vais essayer de l'avoir de là. Bon non, je vais arrêter de gâcher mes Pokéballs. Enfin mes Super Balls. Enfin mes Super Cubes. Non, c'est des Pokéballs. Allez. Ah oui, ah, connard. Oh, vas-y, tu vas te battre. Tiens, voilà, t'es à moi maintenant. Oh. Eh, mais... Dis donc. Mais... Je vais pas pouvoir le taper. Oh, en plus, il a un bug de texture quand tu lui fous un coup d'épée dans la tête. Ouh, je me pousse. Allez. Oui. Tail O. D'accord. Le Pokémon. J'aimerais bien gagner un peu de ma vie. Ah voilà. Oh, une de mes Pokéballs. Génial. La deuxième doit pas être loin, mais je me sens pas le courage de la chercher au milieu de toutes ces feuilles. Oh putain, le rapace de pique. Ouh là là, je viens d'avoir attention. Ah, elle est là. Nickel. Oh god. Why? Ah, mais maintenant, après, je pourrais l'utiliser pour voler. C'est vrai, mais j'ai pas de sel, donc... Enfin, si, je sais pas si j'en ai une. Oh, qu'importe.
Non, je crois que j'en ai pas. J'ai pas vu de donjon encore de cette série. En même temps, j'ai beaucoup plus passé de temps à l'extérieur à capturer et à me faire tabasser qu'au reste. Donc là, ça va vraiment être exploration. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver... Oh, il y en a un qui a disparu en plein milieu. Essayer de trouver vraiment l'océan. Histoire d'avoir un peu les Pokémon de l'océan, étant donné que j'en ai aucun pour le moment. Précisément à Wailord, à Whelmer aussi. Je crois qu'il y a aussi Coquillasse et Coquille... Je sais pas s'il y a Coquille Perle. Je sais pas, faudrait voir. Mais on va quand même rester loin, parce que sinon je vais me faire tabasser. Et là, je suis beaucoup trop loin. Honnêtement, je vais rage quit si je devais... Mais on m'a dit qu'il fallait augmenter la difficulté pour trouver plus de Pokémon, donc... Eh bien, whatever, let's go. C'est bon, j'ai pas suivi. Ah, ça te rend psychopathe, hein, tu... Est-ce que je suis suivi? Ah, je vais finir comme Neran bientôt. Wow. Décidément, niveau océan, je suis pas verni, hein. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, des graines. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, non, pour l'instant je n'ai rien à dire. Par contre, ça c'est quelque chose que je me demandais. Alors après, j'aimerais bien savoir ce que j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. En quoi vous aimez cette série? Est-ce que c'est par le fait qu'il y ait des Pokémon dans Minecraft, le fait que ce soit juste des Pokémon, ou le fait que ce soit une série un petit peu différente du reste? Enfin bref, j'aimerais savoir pourquoi vous aimez cette série. Ce serait sympa, parce que bon, c'est quand même elle qui a les records d'audience, elle qui est le plus commentée, qui est le plus réclamée à chaque fois, donc j'ai vite vu, hein. Encore que c'est pas la vidéo qui m'a rapporté le plus de vues. D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais c'est celle que j'ai le plus ratée, enfin celle que j'ai beaucoup moins travaillé dessus, c'est-à-dire à la recherche du mode parfait 10, Herobrine. Sur celle-là, j'ai dépassé les 20 000 vues quand même. C'est celle qui me rapporte le plus de vues. Ça, c'est surtout parce qu'il y a Herobrine dedans. Ça, c'est clair que la légende, hein, ça attise des clics. C'est pas plus mal d'ailleurs. Ah ouais, Nelidel, on va rester loin. Oh bordel, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont pas un peu surdimensionnés? Ah ouais, c'est un peu surdimensionné là. Ils sont pas aussi gros que ça. Alors, fais voir le visage. Oh putain, c'est des écrémeux. La texture du visage est un petit peu, il y a un petit peu plus d'ombre. Elle est un peu plus travaillée. C'est la seule différence avec les vaches. C'est la seule manière de les reconnaître. Ah, un marais. Peut-être qu'il y aura des Pokémon particuliers dedans. J'aime pas les marais. Mais un bateau? On se fait un bateau? Histoire d'explorer un petit peu, tant qu'à faire. Au fait, poignée. Il serait temps qu'il change la traduction. Heureusement qu'avec la 1.3 ça va changer parce que sinon... Voilà, ça doit être suffisant. Oui, c'est largement suffisant. J'en ai pu même en couper moi, mais moi je m'en fiche. Bon, voilà. On va garder ça avec nous. C'est l'expédition, on s'amuse. Comme des fous! Ouais! Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Doudou. Pardon. Alors, voyons voir. J'ai vu un Barbicha là-bas. Bon, pas très intéressant. Moi, j'aimerais bien voir un Kyogre. Je crois qu'il l'avait intégré avec Pokémon 200+. Et Groudon aussi, j'aimerais bien les voir. Pourquoi je peux pas les voir? C'est pas l'océan là? Pourquoi? Ah non, mais il est surdimensionné, c'est pas possible ce Pokémon. Sérieusement, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, elle est d'elle. Oh, c'est les hormones de croissance ou quoi? On l'a gavé aux OGM? Oh putain, même les roues carnage. Oh malheur. Wow. Restez loin. Putain, ils sont immenses. Ah mon dieu, ne t'approche pas de... Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, crash, je reviens. Et nous revoilà. Alors, il se trouve en fait donc que j'ai envoyé un appel à l'aide. Et il se trouve en fait qu'au final, c'est le mode 600 plus Pokémon qui fait tout déconner.
Ce qui est fort dommage car j'étais obligé de le désinstaller. Donc tous les Pokémon que j'avais, à savoir tous les Pokémon qui étaient du de ce mode que j'avais. Non, Pidgeotto. Great Cube Field et Great Cube Field. Sont tout simplement inutilisables. Et donc doivent être jetés et abandonnés. Ce qui veut dire que le nombre de Pokémon maintenant à capturer va être désormais beaucoup plus petit, étant donné que maintenant le mode fait pas mal crasher. Je préfère faire partir ce mode que faire complètement arrêter la série. Je pense que vous serez à peu près tous du même avis que moi sur ce point. Merde. Mais non, je veux juste descendre. Ah. Hop, tentacool. Oh, des coquillasses! Merde, je vais devoir remonter à la surface! Aïe! Non! Non! Tu ne meurs pas là! Ah, voilà. Tu vas rentrer là-dedans, toi, dis? Voilà, donc au moins, on a déjà Tentacool. Je trouve juste dommage que la série va être encore plus réduite maintenant. Hein. C'est encore plus dommage, mais bon, on va devoir faire avec. Étant donné que c'est soit ça, soit la série s'arrête. Et je pense que, que tout le monde ici sera d'accord sur le point qu'il vaut mieux arrêter le mode Pokémon 600+, que la série. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et toi, un bon coup d'épée. Voilà. Et une Pokéball. On remonte à la surface. Shellder. Oui, non, c'est Coquillasse, ce connard. D'ailleurs, je me demande si je peux pas l'utiliser pour faire évoluer un molos. Je sais pas si... Je pense pas que c'était incorporé, c'est compliqué ça. Quoique, on ne sait jamais. Ok, donc, on a le temps à couler le coquillasse. Maintenant, on dégage. Dire que j'étais venu ici pour avoir des Wellmer, Wellord et tout, il va falloir faire une croix dessus. Au final, le nombre de Pokémon donc, va rester à celui du mode Pokémob, donc enfin mode Pokécube plutôt, donc le mode de base. Hein. Hop, on casse le bateau, de toute façon, j'en ai plus besoin. Et au pire, je peux m'en refaire un. C'est pas ça le problème. Ce qui est dommage, honnêtement, donc c'est que ça va forcément réduire le défi de base, hein, qui était quand même celui de capturer tous les Pokémon. C'est plutôt dommage, mais bon. Que vous voulez qu'on y fasse. On fait pas ce qu'on veut, hein, et puis... Pff. Encore une série fail. Oh non, mais c'est bon, quoi. C'est bon, j'en ai marre. Donc en plus, en plein milieu de l'épisode, quoi. Ça pouvait crasher pendant un hors-caméra. Non. Tu me diras en même temps, je fais pas vraiment de hors-caméra sur cette série en ce moment. J'ai vraiment fait du hors-caméra quand j'ai dû faire l'arène, mais hormis ça... Bon désolé pour tous ceux qui apprécient donc qui aient plus de Pokémon, mais voilà. Vous avez cité comme moi à ça. J'entends des chenipans et des papillusions qui s'énervent. On va les laisser tranquilles. Ah ouais, le problème c'est que j'avais l'eau à traverser. Ah, j'ai la flemme. Et hop, oh, Bloob. Et hop. Ah, les nénuphars, quelle magnifique invention. C'est bien la seule chose pour laquelle j'aime que j'aime bien dans les marées. Hmm? Ratata. J'en ai déjà un. Oh, quel dommage. Mais bon. Du fil. Ah, un chenipan s'est fait tabasser. Ah, c'est encore ces roues cool. Je suis sûr, c'est des Pokémon mauvais. Voilà, maintenant, moi, ma vision des roues cool a changé pour toujours. Sans mes ennemis jurés, maintenant. Pouf, pouf. Roues cool et leurs évolutions, évidemment.
Oh, coucou, c'est les rocs. Pourquoi il a l'œil fermé? Ah, c'est peut-être pour faire les phases de lune en fonction de si son œil est ouvert ou pas. Enfin, je sais pas. Je propose, hein. Je suis pas non plus expert en pack de texture. Oh, ça ne fait rien. Oh, dommage. Des arbres volants. Décidément, la génération de cette map est pas ce qu'on peut appeler quelque chose fantastique, hein. Parce que, bon, plein de ratata et des galopas. Cool. Un de moins sur Terre. Mène pour les roucoules et maintenant sans limite. Piaf à bec, il est bien, lui. Je sais pas si j'en ai un. Alors, dans le doute. Oui, Spiro has been caught. Peu d'ordre, voilà, et on repart. Alors, ah, le désert. Ah ouais, non, c'est vrai. J'allais dire, on peut avoir des magnétites, des craquements et tout, mais c'est vrai que et le mode épée là. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Par contre, j'ai jamais vu ce coin-là, il me semble. Ouh. Ah, une zone enneigée. De quoi aller regarder aussi. Oh, les cactus, les cacnéas plutôt. Enfin, whatever. Alors. Un petit village est-il habité? Un petit village, il a l'air déserté. Je vais laisser les cultures là, j'en ai tellement moi déjà chez moi. Puis de toute façon, je vais pas me les trimballer. C'est pas passionnant de cultiver. Là, je vais juste leur voler les trucs, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je propose qu'on visite un peu ce désert. Parce que je ne sais pas. Bon, en fait non, le désert est complètement vide de Pokémon. Mais... Oh, un Ramolos! Tu es à moi! Oui, Slowpoke! Je crois que l'évolution, donc Flagados, c'est Slowbro, le nom. Bon, bah ça me fait déjà un de gagner. Ah, et si j'essayais d'envoyer mon coquillasse dessus? Il est où, coquillasse? Shelder, voilà. Est-ce que j'ai mon... Ah, oh non, j'ai pas pris le Poké Center avec moi. Bon. Vas-y! Bon, non, ça n'a pas marché. Ah! Mais, t'es censé lui attraper la queue. Qu'importe. Pouf, pouf. Voilà, et on continue. Maintenant, plus besoin non plus de me le mettre en super difficile, étant donné que... Ça n'a plus d'incidence. Voyons. J'aime bien la texture de la neige et tout comme ça. C'est joli. Ça fait très... C'est très sympa. Juste l'apparence de la dirt que je n'aime pas trop. Mais ça, c'est... Ça, même si c'est Pokémon, c'est pas pour autant qu'on peut l'aimer dans Minecraft. Bon, mais vous savez quoi, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu fail, hein, qui veut dire aussi que la série va être encore plus courte que prévu. Je trouve ça un peu dommage, tandis que je sais que vous l'aimez beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Je serai là, je saurai arranger tout ça. Je saurai arranger vos petites larmes. Je trouverai autre chose. Quelque chose que vous allez aimer, quelque chose que vous allez kiffer. Oh oui, vous allez aimer. Bon. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mon jeune sur Facebook ou Twitter, laissez un petit commentaire ou un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!